Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 16, la carrière avec Morecambe, la carrière centre de formation. Et aujourd'hui on se retrouve pour les quarts de finale de l'Europa League contre Schalke. On va faire les deux matchs. Avant ça, donc les infos qu'on s'est arrêté, c'était là, je me semble. Donc là, on a gagné après contre Brentford 2-1, ensuite on a gagné contre Reading 2-0, ensuite on a gagné contre Bolton 3-0, et ensuite on a fait un vieux match nul tout bidon, où l'arbitre nous a volé et le gardien adverse était une muraille. Contre Cardiff, on a fait 0-0, et là on se retrouve pour le match contre Schalke. Je ne vous ferai pas en vidéo le match contre Burnley, hein, on s'en fout. Hein. On va faire donc les deux matchs contre Schalke. Allez, on va commencer direct par le premier. Alors on a un calendrier qui est très très chargé. Du fait, je suis obligé de faire jouer bon, les équipes, l'équipe 1 pour jouer Europa League, l'équipe 2 pour jouer le championnat, l'équipe 3 pour rejouer de la coupe ou alors encore des morceaux de championnat quand l'équipe 2 n'est pas assez forte pour enfin n'est pas assez en forme pour jouer le championnat. Donc c'est un peu le bordel. Même si j'ai encore une fois beaucoup de joueurs et que ça y est, tous les joueurs que j'ai sur la feuille de match et dans les remplaçants, ce sont tous des joueurs du centre de formation. La caméra s'éloigne. Hein. Non, tant pour moi. Donc on va jouer contre Schalke, on joue à la maison sur le premier match, ce qui est toujours, fait toujours plaisir. Donc ça va être très compliqué, même si on a éliminé la Juve, parce que voilà, mes jeunes, ils sont terribles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils sont terribles. Ils se mettent en offensif tout seuls. Non, ça va, là, ils sont équilibrés. Des fois, ils se mettent en offensif tout seuls, je sais pas pourquoi. On a tendance à prendre souvent des fautes aussi. Hein. Mais oh là 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 là. Melson, heureusement que t'étais là parce que là. Des mecs qui prennent pas les ballons, ça m'intéresse pas. Non! Non, t'as pas le droit. Bien joué. Allez, Wells qui a de la puissance, c'est normal. Il a fait une faute. Et c'est le but. C'est le but. Bon, la faute est quand même un peu sévère. Enfin, non. Non, on va dire non. Parce que bon, le nombre de fois où je prends pas de faute alors qu'il devrait y en avoir. Non! Passe en retrait, Siachka. Passe en retrait. C'est parce que c'est les passes en retrait. Passe en retrait, c'est pas les passes devant toi, c'est les passes derrière toi. Allez. Bon. Bien joué. Waouh, putain, mais... Dans le match contre Cardiff, c'était pareil. Je l'ai joué juste avant. C'était pareil, il y avait toujours un mec qui était là pour faire chier à la dernière passe. Mais j'ai toujours des fois voilà, des joueurs qui veulent pas se mettre dans les espaces, qui veulent pas passer dans les espaces. Ou alors quand ils s'engouffrent, c'est 15 fois trop tard. Non, la passe! La passe! Oh, tain, ça aussi, c'est chiant. Tes joueurs, des fois, ils sont tétanisés. Ils savent plus faire des passes. Oh, putain. Pourquoi il a poussé aussi loin son ballon? Faudra qu'on m'explique. Hein. J'ai jamais demandé de pousser aussi loin son ballon. Oh là là là. Voilà. Dur hein, de jouer avec des gens qui savent pas faire des passes. Hein. C'est mentalement c'est le plus dur. Bon, qui savent pas aussi mettre de la vitesse dans leur jeu quoi. Ziyashka, bah. Et là pourquoi il prend pas le ballon? C'est pas normal qu'il prend pas le ballon Charles. Là. Parce qu'il met le pied sur le ballon et il dévie même pas.
Bon, le... Et là, sont tous partis à l'abordage, là, mais il n'y a aucun qui vient chercher le ballon. Non, mais non, mais vous le faites exprès, les gars, là. Et là, il manque quelqu'un dans l'espace, là. L'espace, il est vide, mais il n'y a personne, quoi. Oh, putain. Je sais pas si le jeu prend en compte que les joueurs sont jeunes et du coup, il faut plein de conneries. Oh, quelle passe terrible. Quelle passe terrible, même pas capable de la mettre sur son collègue, même si son collègue était hors jeu. Allez! Allez, mes pouces, bordel, pouce! On n'est pas qualifié, hein. On n'est pas qualifié. On va même prendre un but. Allez! Bon, en plus il met un rouge, non, mais quel voleur, Starbeat, mais décidément. Bon, ben on n'est pas qualifié. Hein. Vu que l'arbitrage est totalement ma déf... Le gardien, sinon, si t'as pas envie, tu le dis, quoi. Tu le dis, ce gardien, il a pas envie. Il est sur la trajectoire, hein. Il a juste à mettre les mains comme ça. Et il l'arrête. Parce qu'il est en plein dedans. Hein. Ouais, ben, je pense que c'est l'élimination. Hein. Je pense que c'est l'élimination parce que là, mes joueurs, ils y sont absolument pas. Il n'y en a pas un seul qui fait un match correct. Il faut que je fasse attention sur Ronel du coup, parce que j'ai plus personne à la place de Gonzalez. Tu me diras, il est tellement inutile. Et le type me dit qu'il se sent trop fort pour l'équipe, quoi. Il se plaint, il se sent trop fort pour l'équipe. Non, mais... Putain, mais c'est quoi cette passe de merde? Mais c'est pas possible. Il y a toujours une mauvaise passe. Il y a tout le temps quelqu'un qui se chie dessus au niveau de la passe. Tout le temps. Bien joué. Allez. Je peux pas me mettre en offensif parce que c'est obligé, je vais prendre un but en contre. Allez les gars, améliorez un peu votre jeu quoi. Vous êtes vraiment mauvais quoi. Allez, Charles, cours, quoi. Mais cours, Charles, mais... Putain. Toujours un truc qui va pas, quoi. Je suis un peu blasé par cette équipe. Bon, allez! Bon, putain, mais. ZHK, toi t'as envie de sortir, toi. Toi t'as pas envie de finir ton match, toi. Allez! Monsieur l'arbitre, là, mais c'est pas normal! Le mec il vient me faire une charge dans le dos, quoi! Allez! Tu fais un tacle, tu sais, ça. Normalement t'es censé prendre le ballon, mais tu prends pas le ballon, quoi. C'est pas normal ça. Ouais, mais j'ai personne pour aller sur le côté derrière. Oui, moi je sais, oui. Non. On va faire ça, hein. Oh, mais c'est quoi cet appel, Benson? Non, mais les gars, vous avez vu vos appels? Mais c'est même pas normal de faire des appels aussi nuls, là.
Alors je. Voilà. Mais voilà, mais incroyable. Vous avez vu Charles, mais c'est. Mais elle est où la logique dans son appel? Elle est où la logique? On peut m'expliquer qu'est-ce qui branle le mec? Mais qu'est-ce qu'il a dans le. Non, là, là. Oh, qu'il me siffle pas de faute. Hein. Carton rouge, c'est largement suffisant hein, pour un match. Hein. L'arbitre, il nous condamne. Tu sais que son carton rouge, mais il a rien à foutre. Lui. Allez, mais monte, bordel, monte! Ouais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a aucune solution, quoi. Aucun espace, que dalle! Que dalle, il n'y en a pas un seul. Ils sont à 15 derrière, les joueurs de Schalke. Ils créent une petite équipe. Oh là 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 là, en plus. En plus, c'est même plus faire un contrôle, et là, ils se retrouvent hors jeu. Non, non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. On peut pas jouer correctement comme ça. Ouais, mais dégage, dégage, ils sont tous mauvais, ils sont tous mauvais. On se met comme ça, parce que de toute façon... Pour moi, perdre 1-0 chez moi, c'est un ultra mauvais résultat. Hein, parce que vu ce qu'ils ont fait, Schalke, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Alors le minimum syndical, c'est un match nul. Allez, allez. Non, non, c'est quoi cette passe en retrait? Putain, je demande pas une passe en retrait, le mec il me fait une passe en retrait. Et du coup, tu m'as plombé toute mon attaque. Et le centre, t'as oublié le centre et la vitesse, t'as même pas mis de vitesse dans ton truc. Tu te fous de ma gueule. Je sais pas qui c'est qui m'a fait ça, mais il se fout vraiment de ma gueule. Allez, mais va au ballon! Va au ballon! Stokes, qu'est-ce que tu fous là en plus? C'est même pas ton côté là. Voilà. Putain. C'est le dégoût. C'est le dégoût sur cette défaite parce qu'elle n'est absolument pas méritée. Ils ont absolument rien branlé en face. Et nous on s'est fait. Ben voilà, on s'est fait. On peut dire qu'on s'est fait un peu voler là quand même, hein. Mais le pénalty, il est limite quand même. Hein, parce que moi, je fais le tacle, je le fais avant la surface. Hein. Alors, on s'en fout de Maxi Gonzalez. Bon, là, on va s'arrêter... Enfin, on va faire une petite pause ici. On se retrouve pour le deuxième match contre Schalke. Allez, à toute. Heureux. Donc, on se retrouve. On est reparti donc pour ce quart de finale retour en Allemagne. On n'est absolument pas motivé. Vu le niveau de jeu de l'équipe, c'est pas étonnant. Alors c'est bien, ça va changer par... comment il s'appelle? Ça va changer le rouge, le carton rouge. Gonzalez, voilà. Par Parera, je l'avais économisé dans le match d'avant. Parce qu'il était dans l'équipe B, pour justement pouvoir le refaire jouer. Ils sont encore fatigués, mais vous foutez de moi. Ça fait une semaine que vous n'avez pas joué. Vous êtes encore fatigués. Vous n'avez pas le droit. Vous le savez. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre là? Qu'est-ce qu'on va mettre là? Je ne sais plus. Emmanuelo. Même si Emmanuelo en ce moment, c'est pas la joie, il a une grosse flèche vers le haut, mais... Sur le terrain, on voit pas du tout la différence. Je suis en train de songer à changer de formation parce que c'est une horreur. C'est une horreur. On peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer comme ça, avec des ailiers comme ça qui savent même pas faire des dribbles, que dalle. Ils savent même pas garder le ballon dans les pieds, ils savent pas faire des passes correctes. Tu peux pas. Je me demande pourquoi ils sont aussi mauvais quand même. Hein. Parce que statistiquement, il y en a certains, ça va. Hein. Ils sont censés être bien. Hein. Mais alors, mais... Ils me font des bêtises, mais des trucs que j'ai jamais vus, quoi. Avec le Red Star, c'est le bonheur quand je joue à côté, quoi. C'est le bonheur, les mecs, c'est des champions du monde, Red Star, à côté. Hein. Sur l'arbitre, c'est une petite faute, ça, non? Ouais, oui, ouais, il y a des trucs comme ça, par exemple.
Il a combien, Charles, en général? Il est censé avoir combien en technique, Charles? Je sais plus, mais je crois qu'en technique, il n'est pas censé être mauvais. D'accord. D'accord. Comment t'as pu rater ça? Une tête à bout portant. Re-corner. Re-corner. Troisième corner d'affilée, quoi. Bon, le... C'est pas une relance compliquée en plus. C'est pas comme si c'était... C'est pas comme si je leur demandais de faire des trucs compliqués, des gestes techniques ou... Ce genre de bêtises là, mais non, mais y a rien de tout ça quoi. C'est que des passes simples. Non, c'est pas là que j'ai demandé. J'ai demandé sur Benson qui était sur l'aile tout seul, mais non. Je vais choisir la passe la plus compliquée possible. J'ai du mal à comprendre l'intelligence artificielle de nos propres joueurs. Hein. Parce que moi je vois aucune logique. Dans la façon dont mon joueur joue. En fait. Ouais, bah il va pouvoir centrer, même s'il a deux gars sur lui, parce que même deux gars, ça change rien, quoi. Ça fait pas de différence. Deux gars qui le poussent, mais non, il n'y en a pas un seul qui est foutu de prendre le dessus, quoi. Allez, Benson! Benson qui aurait pu avoir le ballon. Bon, allez. Charles est dans un mauvais jour aussi, pas capable de faire un contrôle quoi. Yeah. Allez, mais c'est quoi cette technique à deux balles là? Putain, le mec il tient même pas sur ses jambes, il met 15 ans pour faire un contrôle tout simple. Bon, le... Tu passes devant, tu le prends pas, tu passes devant, bordel. Bon, pourquoi il y a une faute, non? Charles, il va sortir avant la fin, c'est obligé. C'est obligé, je peux pas laisser un mec comme ça, quoi. C'est mon meilleur milieu offensif, hein, normalement. Eh ben, faut-il faute, là, monsieur l'arbitre, non? Il est accroché un peu. Mais je prends un jaune. Je prends un jaune pourquoi? Pas sur cette faute là, j'espère. Non, c'est pas sur cette faute là. J'arrête pas, hein. J'arrête pas de me prendre des jaunes en ce moment. Le gardien, non, si t'as pas envie. Gardien, si tu veux pas prendre les ballons comme ça, c'est toi qui vois. Hein. Si on prend des buts, après, te stocker viré. Hein. C'est quoi ce placement? Puis le mec, quoi, il tient même pas sur ses jambes. Il sort à la mi-temps, Charles. S'il marque pas de but, il sort à la mi-temps. On peut pas jouer aussi mal et... Rester sur le terrain quand on joue aussi mal, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Allez, mais poussez, bordel, là. Y'en a aucun qui fait du pressing, là. Charles, il sort direct parce que là, il m'a saoulé, là. Il m'a saoulé. Il fait rien. Il fait rien, Charles. Il fait rien. J'ai qui? Allez, Dabrowski, au moins, il a un peu plus de physique, lui. Porter peut-être un peu de solidité parce que hein, Charles, on sait pas vraiment une solidité. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse jouer? Le mec, il a un énorme potentiel, mais comment tu veux que je le fasse jouer? Le type, quand il joue, il est mauvais. Il est mauvais. Allez! Putain, mais Benson, quoi! T'as juste à mettre un peu d'accélération et puis c'est bon, quoi! Voilà. Bah ouais, mais rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire, là.
peux déjà m'estimer heureux qu'il ait pas perdu le ballon. Oh, c'est quoi ça? Grosse faute, monsieur l'arbitre, quand même, carton. Tu mets un carton, le mieux même pas de carton, quoi. Pourquoi c'est toujours moi qui prends les cartons jaunes, quoi? Ça me saoule aussi, ça. Bim. J'ai pas même pas touché, je suis même pas touché, monsieur l'arbitre. T'es un ailier, toi, reste sur l'aile. Putain, le mec vient repiquer dans l'axe alors que je demande rien du tout, quoi. La frappe, putain, mais t'attends quoi pour frapper, quoi? Le mec, il attend 15 ans pour frapper aussi, là. Ça me saoule parce qu'on va se faire éliminer à cause des joueurs qui savent pas jouer, quoi, qui font rien comme il faut, quoi. Parce qu'ils font rien, les joueurs de Schalke, hein. Je suis désolé, hein. Ils méritent pas une seule seconde d'être qualifiés, hein. Parce qu'ils bougent pas, hein. Franchement, c'est censé être une grosse équipe, mais se faire sortir par une équipe qui joue même pas contre nous, c'est quand même un peu de l'abus, hein. Moi, ça me tue, ça. Moi, je veux bien me faire sortir contre une équipe, tu vois, qui met bien supérieur dans le jeu, tu vois, qui joue bien, quoi. Mais là, on est en train de se faire sortir par une équipe qui branle rien en face de nous, quoi. Putain, mais Benson, quoi, Benson, mais puis c'est quoi cette passe, Tamoski, quoi. Putain, t'as un seul type devant toi, il faut que tu lui fasses la passe en plein dedans. C'est pas normal, ça aussi, là. Désolé si je rage un peu, mais ça me casse les couilles de me faire éliminer par une équipe qui fait de la merde en face, quoi. Allez, mais pourquoi tu t'es arrêté, l'ailier, là-haut? Mais non, mais non, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Bah oui, mais n'importe quoi aussi. Non, mais là, le jeu, il a vraiment décidé de se foutre de ma gueule. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'il est allé faire une passe en retrait, l'autre, encore? Mais là, mais qu'est-ce qu'il est allé faire une passe là? Mais c'est n'importe quoi, mais c'est... Le jeu, il fait n'importe quoi, le jeu. Le jeu, il fait absolument pas ce que je lui demande. On prend un autre but. N'importe quoi. Mais vraiment, n'importe quoi. On n'a pas fait de changement. C'est pour nous? Oui, c'est pour nous. Je savais même plus. Tellement qu'il me désespère, je savais même plus. Allez, mais... Eh ouais, mais tu fais l'accélération ou pas, là? C'est ça, quoi. T'as le mec, il part pour faire l'accélération, et deux secondes après, il s'arrête. Comment tu veux lui faire confiance? Allez, mais récupérez-moi ça, là. C'est lent, ça bouge pas, ils se sortent pas les doigts là, c'est énervant ça, c'est énervant aussi ça. Tu vois que tu peux sortir la Juve et puis le tour d'après, tu te fais défoncer parce que t'as les connards qui arrivent à se mettre en jeu, quoi. Putain. Pourtant, hein, il a la place pour ne pas être en jeu, hein. Mais il fait exprès, le gars, il fait exprès. Là, le jeu, il veut pas que je passe. Le jeu est en train de me faire un gros fuck, là. Allez, accélération, allez, accélère, Dabrowski, accélère. Ah, ben putain. Ben putain. Putain, le mec, là, pour démarrer la mobilette, eh ben, faut y aller, hein. On va descendre en équilibré, même en défensif, parce que c'est eux qui vont se mettre à jouer fort et on va prendre un vieux but en contre. Ça, je connais le coup classique. Le vieux but en contre d'enfoiré, là. Et j'ai des joueurs qui sont morts sur les ailes. Cet enfoiré de Charles, là, il aurait été meilleur dès le début. J'aurais pas eu à faire entrer Dabrowski plus tôt. Et du coup, Dabrowski, il est obligé de faire des prolongations alors qu'il a fait... Oh là là là.
Et y'a personne qui vient dédoubler, y'a personne, personne. Personne, personne. C'est même pas là que j'ai demandé la passe. C'est même pas là que j'ai demandé la passe. Non, une honte. Ça, c'est une honte. Pourquoi j'ai tous mes joueurs qui se barrent? Pourquoi j'ai toutes mes sentinelles qui sont montées d'un coup, alors que le ballon, il revenait dans l'autre sens? Ils doivent pas avoir la tête dans le bon sens, en fait. Ça doit être ça, le problème. Mais là, tu peux y aller, quoi. Tu peux pas te manier un peu quand tu fais ton contrôle, quand tu fais ton... Voilà. Là, tu peux pas être un peu moins passif, là, quand dans ta perte de balle, là, ridicule. Pourquoi j'ai qu'un seul joueur en défense? On peut m'expliquer pourquoi j'ai plus qu'un seul joueur en défense. C'est pas normal, ça. On n'est pas en offensif, on est en défensif, et je me retrouve avec qu'un seul joueur derrière. Elle est où, la logique, là? Ouais, mais Benson, mais t'as compris, Benson, ce que tu es censé faire, en fait? J'ai l'impression que t'as pas compris qu'est-ce qu'il fallait que toi tu fasses. Tu sais que t'es censé être un buteur. T'es pas censé être le mec qui fout rien, tu vois. C'est pas toi le milieu de terrain. Oh là là. Sur l'arbitre. C'est pas toi le milieu offensif. C'est pas à toi de faire des passes, hein. C'est à toi de marquer. Hein. Alors si tu fais pas des appels pour aller vers le but, ça sert absolument à rien. Hein. Tes collègues, ils savent pas mieux frapper au but que toi. Hein. Faut pas compter sur eux, hein, parce que déjà, vu comment ils passent... Oh là 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 là. Benson, fais gaffe à toi, Benson. Bon, le viol, quoi. Le viol, monsieur l'arbitre. Le viol dans la surface, là. Non, mais là, il a encore la faute, monsieur l'arbitre. Putain, mais pousse, putain, au lieu de rester derrière, là, comme un imbécile. Pourquoi j'arrive pas à le courir? Ah, ouais, d'accord, pas grave, il est mort. Là, ça sent bien qu'on va prendre le but maintenant. Allez, Benson, là. Si t'as encore un peu de jus, si tu fais pas le pélo... Pourquoi l'autre, il a presque toute son énergie, là? Faut pas déconner, là. C'est pas normal, hein. Pourquoi ils sont pas du tout fatigués, eux? Ça, c'est pas normal, par contre. Hein. T'es en fin de match, tu sais, en fin de prolongation, t'as les joueurs adverses. La moitié de la défense adverse, ils sont presque en pleine forme. 10 tirs, 5 cadrés, quoi. Qui c'est qui mérite de passer? Honnêtement. Qui c'est qui mérite de passer, quoi? Allez, est-ce qu'on va la mettre, celle-là? Oh là là. Là, ça commence mal. C'est bon. Allez, où est-ce qu'il va la tirer? À gauche. À droite. À gauche. Au poteau. ZHK qui est décédé sur la pelouse. Et qu'il le met deux fois du même côté. Allez, où est-ce qu'il le met? Au milieu. Non. Je vais pas essayer de deviner où est-ce qu'il va le mettre parce que... Allez, le Lionel Messi polonais. On en est loin. On en est loin. Allez, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. T'aurais dû boire un coup avant de venir. T'aurais dû boire un coup, je t'assure. Huntelaar, bah il va le mettre, Huntelaar. T'es fou. Il a tenu tout le match, il est si peu fatigué, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. C'est pas possible que Huntelaar, il est à l'attaque et il a tout ça comme énergie. Il lui reste tout ça comme énergie. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça prouve bien qu'ils ont rien foutu. Le mec, il a pas couru du match. 120 minutes de jeu, le mec, il est presque les trois quarts de sa jauge d'endurance, quoi. C'est pas normal. Mais bon, on l'a vu qu'il s'est failé.
Penalty décisif. C'est pas normal, Kuntelaar, il est autant d'énergie à la fin d'un match comme ça, quoi. Prouve bien qu'ils ont rien fait, quoi. Bon, mais on passe. Mais dis donc, quelle galère, je sais pas qui est-ce qu'on va taper au prochain tour. Tiens, Lyon est passé. Fenerbahçe a dû passer. Et la Roma est passée. On verra bien. Est-ce qu'on regarde? 1 million. C'est tout. 1 million pour atteindre la demi. Enfin, pour avoir passé l'écart. C'est très faible, hein. C'est vraiment très faible. Allez, on va jouer contre Watford. Alors, est-ce qu'on peut savoir contre qui va-t-on jouer contre la Roma? Bah ouais, bah bon. On va prendre un. Je sais pas si ça doit être l'un des choix les plus durs, hein. À chaque fois, on est obligé de se taper des équipes les plus chiantes à jouer. Tu me diras que j'avais jamais joué la Roma et Schalke, il me semble pas. Et Krasnodar non plus. Bon, on ira en demi. Contre la Roma. Ça sera dans le prochain épisode, l'aller et le retour. Là, on va devoir jouer contre avec l'équipe B. Là, on va devoir jouer donc avec la Roma, avec l'équipe A. L'équipe B, l'équipe A. Et là, on va devoir jouer avec l'équipe l'équipe B. Et on rejoue deux jours après. On parle d'une semaine, ça. Bon, en tout cas, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Désolé d'avoir un peu ragé, mais là, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Pourtant, statistiquement, ils sont pas des... Je sais pas, ils sont pas des généraux trop mauvais, hein. Charles, vous imaginez, il a 68, Charles. Regardez, en dribble, quoi. Le mec, en dribble. Il a 74 en contrôle. 75 en dribble. Moi, je les vois pas, les 75 et les 74, hein. Sur le terrain, je les vois pas. Le mec, il met 2 ans et demi pour se retourner, pour faire un contrôle. Je suis désolé, hein. 71 d'agilité, ça m'étonnerait. 72 de réactivité, ça aussi, ça m'étonnerait. Il est mauvais, ce Charles, il est mauvais. Il est mauvais, il me rend fou. Bon, en tout cas, voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour... la suite de cette aventure sur FIFA 16, la carrière avec Morkimb. Allez, ciao!